Ça, c'est du spot de pêche. Alors visiblement, on est arrivé en plein barbecue. Voilà, il y a des os de poulet partout par terre et Rasta se régale à peine arrivé. Ici. Non, non. Ça s'annonce bien. Allez, bouge. Salut à tous. Salut. On est de retour au même endroit. Ouais, pour notre road trip jour 2, épisode 2. On est encore à Dijon cette fois-ci, donc on a trouvé une écluse qui a l'air plutôt sympa. Ouais, donc hier on a profité pour parler un petit peu avec les gens et demander ce qu'ils pensaient de ce canal, s'il était souvent nettoyé, etc. Donc on a la confirmation qu'il est assez souvent nettoyé, mais qu'il peut quand même y avoir pas mal de choses, puisque bien entendu il y a de la vase et... Ah, ici ça a l'air profond hein. Et ici ça a l'air bien profond effectivement, et il y a déjà une barrière, puisqu'ici visiblement il y a eu un accident. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont défoncé la rambarde. Peut-être une voiture qui est tombée hein. Ouais, possible. Ouais. Bon, ils ont dû la sortir si c'est le cas. Ouais, j'espère hein. Ah mais on la verrait s'il y avait une voiture. T'es prêt? Vas-y. Allez, c'est parti. Si, il y a quelques trucs hein. C'est bon, je sais. Et voilà, première trouée de la journée. Et une pièce aussi, regarde. Deux pièces. Deux pièces. Ça c'est du franc, non? Ou autre chose? Ah non, ah non, c'est un pays. Ouais. 10. Dis quoi? Cassé. Cassé, ouais. Si vous avez une idée, en commentaire. Vous entendez ces petits bruits derrière? Ouais, ouais, le petit Rasta, on est. Petit Rasta. Il est à l'ombre, mais il est pas content. Ah, il s'ennuie. Je crois que j'ai quelque chose. Oh, une montre. Ah 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 ah. Citizen Quartz. Tu vois, comme pour le premier jour. Et un bijou aussi là. Super! Ah Rasta! Regarde! Il a pas trop chaud le chouchou? Alors c'est en or ou pas? En plus. Ouais, Citizen Quartz. Je sais pas si c'est une marque de ouf, mais bon. Ça mord, Baptiste, ça mord! Ah, c'est une barrière! Hop là, les deux! Oh là, il n'y aurait pas encore une barrière ici? Si, je pense. Allez, 2-3. Regardez comme cet aimant il accroche bien. Chut. Hop. J'arrive à soulever la barrière juste comme ça. Avec les barbarianes de chez Maison de la Détection, c'est des monstres. Et en description d'ailleurs pour ceux qui veulent. Parce que ici, un spot déjà fait, on trouve des dingueries encore. Bon, c'est bon signe, ces bijoux. On va retirer vers là. Alors, est-ce que je vais faire la quatrième barrière là derrière? C'est possible. Voilà, il y a un truc qui accroche, c'est relou à chaque fois. Est-ce qu'il y a des choses bien? Oui, une pièce. Waouh! Ah, c'est pareil. Non. Non. C'est une pièce commémorative ça. 1894-1994. Donc, c'est du franc. Pour des JO. C'est 100 francs. 20 francs, 20 francs. 20 francs, mais ça existe les pièces de 20 francs, je savais même pas. Commémoratif des JO. C'est stylé, hein, franchement. Belle trouvaille encore ici. T'as plusieurs choses différentes. Il n'y a pas grand chose, mais il y a vraiment des choses sympas. Oh oui, du franc. Ça, c'est un franc, je crois. Oh non, c'est pas du franc. Encore une monnaie inconnue au bataillon. 5 SKC encore. Ce sont des pièces de 5 et 10 couronnes tchèques, donc l'équivalent de 20 et 40 centimes d'euros. C'est marrant parce qu'il y a un pont dessus. Et on l'a trouvé sous un pont. Ah. Oh, j'ai plein de choses. Petite bière strong. À l'heure de pêche, en plutôt bon état. Donc là, je me suis décalé un peu pour voir ce qu'il y a ici. Le portable cassé en deux. Ouais, c'est le portable des dealers. Ah oui. Ouais, il est pas très vieux. Non. Ouais, sympa. Allez, j'aimerais bien faire un vélo là.
nous a fait quoi de beau? Une magnette de frigo. Tu sais les trucs de... avec le poisson pané, je pense. Ouais. Le Mexique. Mais il a totalement fondu, il est tout bizarre. Bon, c'est original. T'as eu un aimant avec un aimant du coup. Couteau? Non. Non, c'est un bruit. Un bois? Un rétroviseur? C'était pas dedans. Alors, un briquet? Ouais. Une pièce? Waouh! Une épingle et un rétroviseur de scooter, je pense. Ouais. Bah, stylé. Ça fait office de miroir. Ah, c'était pas une pièce? Ah, j'en ai fait, c'est des jetons de bingo ou un truc comme ça, j'en ai fait un tout à l'heure. Regarde, c'est neuf, c'est dans un emballage. On l'ouvre? Oui, vas-y. Allez, ouverture. Attention. Waouh. C'est de toute beauté. Morceau de voiture, hein. Voiture ou scooter? Ouais, en des vrai, c'est neuf, on pourrait le garder. Ouais, c'est neuf. Ah bah oui, on va le garder. Il y a la référence et tout. Bon, oh, bah ok. Bah une pièce qui vaut sûrement un petit peu d'argent. Ouais. Et on dirait qu'ils ont jeté le colis directement alors. Bizarre. Bah belle trouvaille, bravo. Ah, j'ai rien moi. Tu me voles tout. Ah, j'ai du bois. Ah si, j'ai un truc. Ah. Hop là. Un portable? Non. C'est... Hein? Non, c'est un paquet de cigarettes. Ah, non. Non, mais il y a autre chose. Oh. Attends, c'est... Non, un paquet de filtres. Oh non. Un paquet de rien. Vide. Et ça? Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Je saurais pas dire. C'est bizarre mon truc. Peut-être morceau de scooter encore. Pétrole. Ah. Nice. La gamelle de Rasta. Bah oui. Bravo. Ah. Oh, y a plein de trucs dedans. Ah ouais, c'est vrai, ça nous fait pas mal une gamelle en plus pour Rasta là. Ouais. C'est vrai, ça elle peut servir. Regarde, moi aussi j'ai des choses. Enfin. Oui. Oui. Pas cool, attends. J'ai plein de trucs. Oh. Oh oui. Oh, oh le coupe-coupe. Oh oui. J'ai toujours voulu en faire un. Oh. Machete. Ouais, il est pas là pour rien par contre. Oh mais ça fait longtemps. Oh ça mon pote. Yes. Enfin. J'ai toujours voulu en faire. Putain, vu l'état qu'elle a, ça fait longtemps. Hein. Ah, je trouvais rien et tout. Ça, c'est les armes de cité, ça, tu vois. C'est le ouais, mais ça date. Ah, elle est vieille, ouais. En vrai, c'est peut-être même utilisé pour des broussailles en soi. En soi, ça ouais. Bizarre, mais. Ben non. Dans la jungle. Elle est là depuis très longtemps. Ah, ouais, faut la garder, faut pas l'aiguiser. Ah, oui, celle-là, on la garde. Peut-être même restaurer. C'est quand même sympa. Bien joué. Bah, merci. Avec ça, il y avait cet objet. Je sais pas non plus ce que c'est. C'est peut-être des morceaux de scooter, ça. Hein. Et un antivol qui a été coupé celui-là, ouais. Ah bah c'est rare. Cette fois vraiment le vélo a été volé comme il faut quoi. Ouais, intéressant. Super hein, bah du coup il reste plein de choses ici. On continue, on est motivé comme jamais après des trouvés pareils. Allez un antivol. Ah celui-là il est pas trop, on achetait pas des antivols comme ça. Bon, ici c'est l'endroit où tu dois en trouver des tonnes. La machette dans le camion pour Amsterdam c'est pas fou mais bon. Ça va elle est vieille. Ouais. Ah ouais. Yes. Enfin. Eh oui. Moi je vais t'aider. Yes, il est super récent. On va pouvoir en faire. Essaye de le monter doucement. Yes. Il est beau. Il est beau ouais. Pour Amsterdam, il nous en fallait un. Il est tout net. Il est doucement. Mec il est tout net. Ouais il est nickel. Bravo! Il est tout neuf! Non! Oh, il est gonflé à fond! Allez, teste-nous ça! Ah oui! Ah, ça va, c'est pas une selle qui est trop imbibée, non? Il est même réglé à ta taille! Allez, je me taille! Ah ouais! Ouais! Celui-là il est pas venu, il était piqué cette nuit. Ouais, moins une semaine max, je dirais. Ouais.
la roue arrière, elle a l'air d'être fatiguée. Ah oui, t'as peut-être une roue dégonflée à l'arrière. Ah, puis je pense que ça se trouve, l'axe il est foiré. Ah. Ah oui. Ah voilà. Ah oui, ça, ça aide pas. Ouais. Belle trouvaille. Ouais. Rasta, il veut en faire. On peut lui faire à Rasta un peu. Quelque chose d'étrange. Alors, j'ai jamais vu quelque chose pareil. De aria lock. De poussette ou de canne. Lock, ouais. De déambulateur. Ouais, 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 un appareil bizarre. Ça va aider le vélo, ça, ça va être bien. Oh, un trousseau de clé aussi. Ah ouais. Oh non, mais il est mort le tournevis. Il a plus de goût. Ah si, si, si. C'est en étoile. Oh, bah c'est bien, on en avait c'est pas de étoile là. Ouais, c'est pas. Il y a un truc ici. Vélo. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. C'est déjà assez lourd. Non, chaise. Une table. Table. Un panneau. Ouais, c'est un panneau. Ouais. Non. Petit panneau d'éviation. Sympa. Ouais, il est pas jeune, t'as raison. Hein. Il nous attendait depuis longtemps celui-là. On a quatre gamins là. Ouais. On les voit déambuler, ils cherchent à faire des conneries. Ouais. Ouais. C'était eux, hein. Ah, les barrières et tout, ouais. Et ouais, voilà. Ouais. Ah, ben ça, tout ce qui est panneau, c'est que des jeunes qui font des conneries, toujours. C'est toujours les mêmes, ouais. Oh, ou des gens bourrés aussi. Rasta. Bon voilà, Rasta un petit peu chaud, mais c'est la première étape de notre road trip, donc après on va monter et il sera bien mieux. Ah mais là il y a une laisse, j'ai pas vu. Attends, je peux descendre en rappel? Non mais il y a un petit crochet que tu peux m'en faire. Ouais, peut-être, ouais, je vais essayer de l'avoir. Ouais, c'est une boîte de crayon ou un truc comme ça, non? Allez, viens là toi, la laisse. Elle n'a pas l'air d'aimanter beaucoup. Elle n'est pas aimantée. Non, elle n'est pas aimantée. Tu m'as dit du bullshit. Ah, par contre je me plante des trucs dans les gants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Est-ce qu'il y a des crayons dedans? Ah non, c'est une boîte de médicaments. C'est quand t'arrêtes de prendre ton traitement, ça. Voilà, regarde, pour tous les jours de la semaine. Rasta, tu nous fais quoi, là? Saute-moi bonne chance. Eh, c'est cuivré. Rasta, t'as une nouvelle laisse de secours. Parfait, hein? Ouais. Oh, mais regarde, c'est même une laisse qui s'allume. Voilà, du coup, elle s'allumera plus. En tout cas, c'est marrant parce que on n'a pas sorti trop de gros trucs, mais à chaque fois, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ouais, je te filme. Un couteau? Ou un outil? Ah, un couteau, oui. Ah ouais, couteau. Bon. Ah. Ah. Pardon. Pas d'insulte. Accès centre de loisirs, mairie Noël. Marie Joël. C'est bon, il y a le bureau de vote à ma. Ah bah allez, hein. C'est vers là-bas? C'est vers là. Comme ça. Voilà. Ah ah! Allez! Une selle de rechange pour ton vélo! Ou une hop. Deuxième! Oula, par contre, elle est bien défoncée, ils ont même essayé de la rescotcher et tout! Bon, sympa! Mais du coup, il y a un vélo en pièces détachées au bout là! Tout au bout là-bas! Ah là, je l'ai peut-être là! Oh, un couteau! Hop là! Pas une pile, ouais, bonne dépollution. Parce que ça, c'est terrible pour les cours d'eau. Et là les gars, regardez. Deuxième de la journée. Ouais, c'est une bande de merde, je crois. Swatch Swiss. Donc une montre suisse. Transparent, c'est original, ouais, il y a tout le mécanisme. Qui n'a pas pris l'eau. C'est une montre étanche, je pense. Ah oui. Elle est étanche. C'est la pile là? Ouais. À 100% elle est étanche, hein. C'est bizarre, mais là, il manque un truc. Ici il y a vraiment des bijoux un peu partout, des montres un peu partout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu.
Alors c'est quoi qui nous a pêché là? En gros je pense que c'est pour prendre la tension, on voit. Pour les sportifs? Tu mets ton pouce. Ouais peut-être. Ah mais tu sais, tu mets ton pouce, t'appuies. Ouais. Et il te le dit. C'est possible. Bon, avis, laissez-nous vos avis en commentaire, mais je pense que c'est ça. C'est une première en tout cas. Ouais. Ah, j'ai un truc. C'est des ciseaux. C'est des ciseaux? Ouais. Bon super. Ouais, bon. Ça veut parfait état aussi. Fait des choses. Ah bah ouais. C'est un téléphone. Ah ouais, c'est un téléphone. Un vieux téléphone. Ah ouais, il est vieux celui-là. Ouais, pour le digicode, je pense même. Ouais, peut-être. Ah, c'est quoi? C'est un magnet, tout simplement. Ah ouais, là, nickel. Rien de plus simple. Ça, ça fait un bon souvenir, par exemple. Allez, sors-le, Baptiste. Ça fait un quart d'heure qu'on est sur ce truc. Allez, on tire. Ah voilà, le rugbyman. Ah putain, mais ça accroche pas bien. Ouais, viens. Il va encore venir en deux secondes, ça va lâcher. Oh, ouais. Ouais. Merde. Oh. Merde, c'est lourd. Oh, il rigole pas là. Non. Ah, voilà, t'es pas venu pour rien. Ouais. Chacun un côté différent, on va voir. Sérieux? C'est si gros que ça? Après ça bulle, c'est bon signe. Hein. C'est quand ça bulle pas là, tu peux dire on est dans la merde. Oh ça vient. Oh, oh la dinguerie, le poids. Oh, oh. On l'a avancé. On l'a bougé. Hein. Ah ouais, ouais. Moto je pense. Après il y a pas de marque d'essence ou quoi. Ouais, ça vient. Ah. On voit un bout. 5 à 10, putain. Sûr qu'on a 5 à s'envaser, c'est toujours super lourd. En vrai, sans toi, on aurait pas désenvasé sans le treuil. C'est sûr. Ah, Rasta, il le veut. C'est pas un ballon de rugby, mais... Ouais. Ah non, non. Oh non, le ballon, Rasta, là. C'est même pas lui. Il a remis exactement au même endroit. Bon, attends, je vais le chercher. Non, mais en vrai, s'il y a de la vase, c'est mort. Ah! Ça pique. Rasta! Voilà! Tout ça, je... Oh, il s'est passé quoi là? Ah, ils ont roulé dessus. Non, mais bon, c'est en moins dans l'eau, c'est cool. On tente d'abord au lasso et si on n'arrive pas, les aimants. En vrai, ça va être super dur de faire un lasso. Technique expérimentale numéro 2. Encore une fois, s'il n'y a rien au bout, on va être déçu. C'est pas très loin. Viens là. Allez Rasta, assis. Allez mais filme. On va y arriver. Je filme. Oh oh, il l'a. Non, il l'a. Oui. Il l'a. Oh non. C'est pas loin. J'y ai cru. Allez, là j'y crois, allez. Gros lasso. Oui! Oui! Ouais. Allez! Allez, viens là. Faut que. Attends. Faut pas qu'il parte. Eh ouais, mais non. Eh ouais. Ah là, comme ça. C'est un bœuf. Non, c'est un râteau. Okay. Ouais. On aurait pu l'avoir. Il est neuf, hein. Je l'ai eu. Oh, ma belle trouvaille. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo à Dijon. Nous, on va reprendre la route. Avant ça, on va remettre le vélo dans l'eau. Non, bien sûr. On va l'offrir, voilà, boss. À une abonnée. Allez, hop.
Voilà, pour les abonnés fidèles, on donne des vélos. Voilà. Tu ferais pêcher. Ouais, et Rasta, si tu veux le garder aussi, parce qu'il est chiant. Ouais. Ah bah vas-y. Allez, ciao. Oh, regardez, on fait pas que pêcher aussi, on va visiter quand même. Franchement, super vite. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de Dijon, Baptiste? Ouais, ça va, c'est sympa. C'est tout? Ouais, c'est une belle ville, regarde, il y a des beaux bâtiments, ces maisons-là. Ouais, on n'a pas ça, nous, dans le sud. Il paraît qu'à Dijon, ils font ça parce qu'ils payent les impôts en fonction de la surface en dessous. Ouais. Et du coup, ils font tout ça à Dijon. Ils font des... Sympa. Mais je crois que t'as lâché Rasta sans faire exprès. Bon, lui, qu'est-ce que t'as pensé, Rasta? C'était bien la rivière, hein? Ça t'a plu? Non, franchement, Dijon, c'est une ville très propre. On a beaucoup apprécié. Et je pense qu'on reviendra un de ces jours, même si en termes de pêche à l'aimant, il y a mieux. Voilà, on est dans les Ardennes avec les champs perte de vue. Bon, voilà. Arrivé en Belgique. Yes. On y est une fois. Go Charleroi. Voilà, donc Charleroi, une des plus grandes villes de Belgique. On sait qu'il y a de la criminalité là-bas, c'est pour ça qu'on a choisi d'y aller. On veut trouver des choses intéressantes. En tout cas, c'est vert par ici et ça fait plaisir, il fait frais, 22 degrés. Oh, il y a un ferrailleur ici, ouais, il y a le ferrailleur. Ah, il s'est fait au canal. Canal. Ouais, ça fait canal un peu. Canal. Ouais, c'est un canal, ouais, c'est un gros canal. Ouais, c'est celui-là qu'on va faire.